On répète pour le concert qui va avoir lieu en décembre avec le groupe Terre Noire à l'Opéra de Saint-Étienne. Ce que j'apprécie dans le fait de travailler avec des artistes comme eux, c'est que, comme j'ai dit, c'est des artistes vraiment accomplis. Ils ont des qualités de texte et des qualités de musique qui sont hors pair. Alors la première rencontre avec Théo et Raphaël s'est super bien passée. Ils ont été tout de suite souriants, sympathiques, ils sont venus vers nous. Ils aiment beaucoup les arrangements, les différentes voix qu'il y a et ils nous donnent des petits conseils sur ce qu'on peut améliorer. Salut, c'est Théo Herrarias, je suis membre du groupe Terre Noire. Et salut, c'est Raphaël Herrarias, je suis le frère de Théo et je fais partie aussi du groupe Terre Noire. La maîtrise de la Loire, moi j'ai travaillé avec la maîtrise quand j'étais ado, grand ado. Notre oncle a créé un opéra rock qui s'appelle le French Café et c'est vrai que moi j'ai été guitariste, donc j'ai appris à connaître ces lieux, à connaître les professeurs, les élèves de l'époque. La maîtrise, ça veut dire qu'elle est là aussi, elle crée sur le territoire depuis pas longtemps. Je crois qu'on fête les 30 ans cette année, donc voilà, joyeux anniversaire aussi la maîtrise. France Bleu et le département de la Loire et donc la maîtrise, ils nous ont proposé de faire quelque chose avec nous et ça s'est décidé assez vite. On s'est dit que ça aurait été très bien aussi de retravailler, pour la part de Raphaël, retravailler avec la maîtrise. On va interpréter 4 titres, Alma, Jusqu'à mon dernier souffle, Le jour où tout s'est ouvert et Ça va aller. Une chanson que j'apprécie particulièrement, c'est Alma. C'est une chanson qui compte l'histoire d'une petite fille. Les paroles sont vraiment très touchantes et on parle de sujets sensibles dans ce morceau, donc je l'aime beaucoup. Il y a 2 titres inédits qui seront tout neufs, qui s'appellent Alma et Le jour où tout s'est ouvert. Ils existent, on les a créés il y a quelques temps, c'est encore de la matière vivante et c'est vrai que le fait de les faire exister, les créer avec le cœur, ça donne aussi des idées aussi sur la manière dont ils peuvent vivre. Il y a eu assez peu de temps de répétition avec les maîtrisiens, mais sur un projet comme ça, ce qui a fait que ça prend, c'est la qualité des arrangements de Geoffroy Barthélémy. Ils sont parfaitement calibrés et du coup, ça tombe sous la voix. C'est vraiment du sur-mesure, voilà. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Les répétitions avec Terre Noire à l'Opéra de Saint-Étienne se sont super bien passées. On a répété sur scène et dans les locaux de l'Opéra, en se chauffant, tout ça, ils étaient là avec nous, ils nous aidaient, donc super. Cette journée dans un lieu comme ça, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de bons moments, parce qu'on collabore avec des artistes qui ont quand même une certaine prestance. Et puis ça forge évidemment le groupe des maîtrisiens, qui est encore plus soudé, donc que des bonnes choses. C'est notre premier concert à l'Opéra de Saint-Étienne. Donc c'est un haut lieu de la musique pop. C'est pas l'endroit de prédilection, donc il fallait bien ça, je pense. Ce partage avec la maîtrise de la Loire, en fait, pour que ça existe. Les 10 ans de France Bleu aussi, donc ça a été un concours de circonstances qui ont fait que notre répertoire a pu rentrer à l'Opéra de Saint-Étienne. Donc voilà, il faut laisser le temps faire et la musique parle et elle ouvre les portes. Alma. Prépare-toi au combat. Mon enfant, sois le feu. Sois le feu, sois le feu. Fruit de ce que tu veux. Dans ta voix vive des faux. Les mots qui te sauvent. Jamais à genoux, jamais à genoux, jamais à genoux. Puissons sans défaut. Lève-toi, Alma. Pleure pour nous, Alma. Quand il pleut, je saurai que c'est toi. Alma.
Ah.